Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir l'amour fou? Il faut que je vous explique. Je suis tombé amoureux d'Anna. Éperdument amoureux. Ça fait longtemps que j'ai pas autant aimé Paris. Moi, je m'y perds. Il est facile de s'y perdre. Ici, il y a que des fous, des gens seuls qui se moquent du chemin à prendre. Les fous ne veulent pas plaire. Et les gens seuls n'ont personne à qui plaire. Et si on est les deux? C'est vrai que vous n'êtes pas assez bien regardé. C'est terrible d'être avec elle. Ça vous transperce. Elle a des mots qui durent longtemps dans le cœur. J'ai le proc sur le dos, moi. Dites-moi au moins que vous avez réussi à remplacer son étui de cigarette. J'aimerais vous offrir quelque chose. Attention, je déteste les bijoux. On m'a interrompu. Pas de micro posé. Et interrompu par qui? Que se passe-t-il, Isabelle? Tu as oublié où tu dormais? C'est qui, cet Anglais? Son nouveau coup. Mais je pensais pas qu'il le retrouverait. Et comment il a su, alors? C'est un aristo. Il a de la ressource. Des contacts. Comment ça, pas de Isabelle? Si elle n'est pas Isabelle, alors dites-moi qui elle est! Anna, vous le connaissez? Anna? Bonjour, Lily. Lily? Oui. Ah bah, je... Comment ça, Lily? Je crois que je suis sur le point de tout comprendre. Ou de tout foutre en l'air. Putain, mais qu'est-ce que vous me racontez? On l'a monté ensemble, ce dossier! C'est l'affaire de ma vie! Londres, 1963. Le Goya, 1962. Extorsion de fonds sur François Delacour, bras droit du président. Je ne dors plus, je ne sors plus de ce bureau. Et vous, tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que vous allez foutre le bordel! Putain, réveillez-vous! Quel con! Comment ça va? Ça va? Un jour, ce sera comme quand on aura tout vécu. Je voulais tout lui dire. Tout lui avouer. Je sais qu'elle m'aurait certainement répondu. Si vous croyez avoir le droit de m'arrêter. C'est comme si elle savait tout déjà. C'est comme si son poids était le juste idéal pour que j'habite cette terre. Maintenant, je sais qu'avec elle, la vie est plus belle que ça. Elle m'a donné rendez-vous. Eh ben voilà, mon petit homme. Moi, je vous reconnais bien, là. Dimanche. Demain? On peut la coincer demain? Je vous y rejoins. À 13h. Je compte sur vous pour que cette opération soit une réussite. Nous n'aurons pas d'autres occasions. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours su ce que je devais à quelqu'un. En bien ou en mal. À qui ai-je l'honneur? Juliette. Tom. Vous ne sauriez jamais? Jamais quand je suis heureuse.